Une école, c'est créer des liens, connecter. Je dis souvent, une école, on vient pour le diplôme, mais on y reste pour les connexions, pour les liens qui nous attachent pour la vie. C'est un moment fort de vous voir tous ensemble, vous tourner vers votre futur. De vous voir avec vos diplômes, tout beau. Aujourd'hui vient se conclure de la plus belle des manières des années d'études à Télécom Paris que nous avons intégré il y a bientôt 4 ans. Et je pense que quand vous vous retournerez sur votre parcours de vie dans quelques années, vous verrez que cette date, hein, le 29 mars 2024, sera marquée d'une pierre blanche. Quand je dois concevoir un sujet et que j'ai pas d'idée, je regarde mes chaussettes. Et ça m'inspire. Bravo, félicitations. Vous avez le diplôme de la première école d'ingénieur sur le numérique. Et donc vous avez des atouts inégalables pour votre futur. La chose qui me paraît très importante dans la formation qu'on donne à Télécom, c'est le fait qu'on a des ingénieurs qui sont très bien formés scientifiquement et technologiquement, ce qui leur donne les armes pour affronter les défis qui viennent. Soyez pas des ingénieurs tièdes, soyez des ingénieurs imaginatifs, soyez des ingénieurs communicants, mais surtout, tout au long de votre carrière, restez des ingénieurs passionnés. Avec Télécom, et moi c'est une des choses que j'ai beaucoup appris, c'est à travailler en équipe. Pour faire des belles choses, on est obligé d'être bien accompagné, d'être bien entouré, et ça avant tout, c'est l'humain. Vous êtes cette génération qui pourra dessiner le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde d'équilibre, un monde qui respecte les diversités, un monde qui invente les solutions. En somme, cette génération qui s'engagera et qui aura un impact évident. Ce soir est la conclusion de notre parcours académique, mais aucun lancer de chapeau ne viendra nous faire oublier que nous sommes télécomiens et télécomiennes à vie. Je pense qu'on peut réussir à faire un énorme réseau, peut-être aller plus loin, devenir des vrais alumni et réussir à créer quelque chose de fort. Faisons perpétuer ces amitiés et continuons de rêver comme des premières années.